L'accès à Internet a permis d'être plus accessible, non seulement à la connaissance, mais également aux opportunités. Aujourd'hui, en fait, tout le monde est capable de vendre sa connaissance, de vendre son savoir. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, en fait, toujours dans la communauté noire, on ne comprend pas la nécessité pour nous d'apprendre ce travail, en fait, qui est prometteur et qui est facteur d'enrichissement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te partager 6 business que tu peux lancer dès aujourd'hui en qualité d'étudiant. Oui, tu as bien entendu 6 business. Même là, quand je parle en qualité d'étudiant, c'est même en qualité de même les lycéens peuvent se lancer. Il suffit juste d'avoir une bonne connexion et de maîtriser l'outil Internet et c'est parti en fait. Parce qu'aujourd'hui, le but ici, c'est de faire en sorte que tout le monde est capable de se procurer des revenus passifs. Mais le plus important, c'est que il faut juste que tu aies l'information, la bonne information et surtout l'encadrement, et tu pourras y arriver. Et reste jusqu'à la fin parce que je pense clairement que dans ces 6 business que tu peux lancer, il y a forcément un sur lequel tu peux te lancer et que tu vas te sentir à l'aise pour commencer à créer des revenus passifs. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, je parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description et tu cliques sur le lien afin de recevoir ton cours sur la science du succès. Et ensuite, tu vas plus bas, tu vas plus bas, comme je disais, tu vas cliquer le lien afin de entrer clairement dans mon podcast sur lequel je parle des différents sujets qui tournent autour de la communauté noire. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 6 business que l'on peut lancer en qualité d'étudiant. Oui, je pense clairement que notre continent a beaucoup de potentialités, mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas parfois le talent qu'ils ont pris au fond d'eux jusqu'à ce que quelqu'un, pourquoi pas, leur aide à trouver leur passion et commence à générer des revenus. Et c'est le but ici, en fait, dans cette chaîne Guerrier Mental, c'est de faire sortir le guerrier mental qui sommeille en toi. Et c'est la raison pour laquelle je te partage mes différentes expériences afin que toi aussi, tu puisses participer à l'élévation de l'Afrique et qu'ensemble, nous puissions créer des richesses et puis faire en sorte que l'Afrique ressemble à un continent qui fait pitié. Alors, le premier business que tu peux lancer en qualité d'étudiant aujourd'hui, qui peut te générer des revenus passifs, c'est YouTube. Alors, pourquoi je parle de YouTube? YouTube, c'est simplement une université qui s'ignore en fait. Une université qui s'ignore dans le sens là où les gens recherchent beaucoup du contenu de qualité sur YouTube. Et ces gens recherchent beaucoup de qualité beaucoup d'informations sur YouTube, mais il y a très peu de personnes africaines qui sont dans le YouTube game. Et comme il n'y a pas assez de présence africaine dans le YouTube game, malheureusement, c'est une niche qui est clairement en train de perdre en termes de valeur parce que le peu des personnes qui s'y lancent à l'intérieur réussissent et se font des revenus passifs, mais beaucoup d'entre nous encore ne comprenons pas la nécessité et l'urgence de se lancer sur YouTube. Oui, YouTube est la plateforme par laquelle dès maintenant tu peux commencer à générer des revenus passifs. Tu peux créer une chaîne autour de ce qui te passionne, autour de ce que tu aimes, et puis au bout d'un certain temps, avec de la constance et avec de la motivation, au bout d'un certain temps, tu peux avoir la possibilité, pourquoi pas, de commencer à avoir des revenus passifs. Donc, YouTube est clairement une plateforme sur laquelle il faut que beaucoup, nous les Africains, on s'y lance parce que on a un savoir, on a de la matière grise à revendre et c'est bien dommage de ne pas voir beaucoup d'Africains dans le YouTube game, surtout le YouTube game francophone. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans l'immédiat actuellement, le premier business que je te propose, déjà, c'est de créer une chaîne YouTube avec une thématique qui t'intéresse,
sur lequel tu peux partager tes expériences et te créer une communauté qui pourra te suivre afin que toi aussi, tu puisses arriver à créer des revenus passifs. Alors, le deuxième business que je vais te dire ici, c'est Skillshare. Skillshare, en fait, c'est une plateforme d'infoprenariat, c'est-à-dire la nécessité pour toi de créer, de vendre de l'information en ligne. Et ça c'est une bonne plateforme là où tu peux, pourquoi pas, si tu es créateur de contenu par exemple, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer des cours et tu peux avoir la possibilité de vendre tes cours en ligne et créer des revenus passifs. Il y a Skillshare, j'y arrive, et Gumroad, dans lequel tu peux créer des contenus et pourquoi pas vendre cela à ta communauté. Oui, je parle de la vente de l'information en ligne parce que aujourd'hui, il faut clairement comprendre une chose, c'est que la façon d'apprendre a totalement changé. Pendant que beaucoup de gens se tuent encore, pourquoi pas, à vouloir avoir un diplôme à tout prix, mais les gens ne comprennent pas une chose, c'est que l'information parfois que tu reçois à l'université n'est parfois pas la même que la formation que tu peux recevoir par rapport à un domaine spécifique et dans l'immédiat dans lequel tu veux te lancer. C'est la raison pour laquelle il y a une plateforme dans laquelle tu peux commencer, pourquoi pas, à créer un contenu de qualité et là où tu pourras vendre ce contenu-là et toucher des personnes qui ont besoin de ton produit en fait. Donc, tu devrais clairement penser à Skillshare ou à Gumroad. Et pourquoi pas, d'autres pourront te dire que tu pourras avoir, tu peux aller sur system.io, mais il y en a tellement de plateformes là où tu peux héberger ton contenu en fait pour commencer à vendre de l'information en ligne. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de savoir, mais ils ne connaissent pas comment est-ce qu'ils peuvent vendre cette expérience-là. Ils ne connaissent pas comment est-ce qu'il faut monétiser cette expérience-là. Même dans les conseils, tu peux monétiser en fait. Mais tout dépend de la façon dont tu t'y prends. Le troisième business ici, c'est Fiverr. Oui, ce qu'on dit Fiverr, mais les Américains disent Fiverr. C'est-à-dire, cette plateforme, c'est une plateforme de freelance. Là où, si tu as un talent, si tu as une connaissance, par exemple, dans le domaine du graphisme ou encore dans le domaine du web development, tu peux, pourquoi pas, créer un compte là où tu pourras clairement vendre tes produits ou encore tu peux aller à 5euros.fr dans lequel tu pourras clairement vendre tes produits en ligne et pourquoi pas apporter ta valeur et ton savoir au service de ceux qui en ont besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es web développeur, si tu es programmeur ou encore si tu as du talent dans le graphique et dans le design, c'est une plateforme pour toi là où tu peux clairement vendre tes services. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent ton produit. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'attendre ton produit. Mais si tu comprends la nécessité pour toi de te positionner, tu pourras créer des revenus passifs dans l'immédiat. Et il y a aussi la plateforme qu'on appelle eBay. eBay, ici, c'est une plateforme de vente en ligne dans laquelle, par exemple, tu peux vendre tes produits en ligne clairement et commencer également à te créer des revenus passifs. Oui, eBay te permet de créer ta propre boutique, c'est-à-dire ton propre espace, là où tu peux commencer à vendre tes produits et pourquoi pas commencer à monétiser, c'est-à-dire tu peux vendre par exemple des livres que tu ne lis plus, tu peux par exemple vendre des produits qui sont encore en bon état mais que tu n'utilises plus, pourquoi pas, et commencer à te créer des revenus passifs. Ou encore même, tu peux acheter des articles et pourquoi pas les revendre sur cette plateforme-là. C'est une plateforme d'échange en fait. Et le cinquième business ici, c'est vendre sur Amazon. Oui, tu as pu bien le comprendre, c'est que actuellement tout le monde se lance sur Amazon pour vendre. Et ici, il y a le FBA que beaucoup de personnes utilisent, pourquoi pas, c'est-à-dire ils trouvent des fournisseurs, ils mettent des marchandises et ils commencent à vendre des produits en ligne en fait. Ça, tu peux le faire en qualité d'étudiant et commencer à générer des revenus passifs. Et il faut bien comprendre que eBay et Amazon, c'est pratiquement le même système en fait. Mais c'est juste que Amazon est plus développé, Amazon est plus professionnel, mais tout dépend du milieu dans lequel tu veux te lancer juste pour commencer. Tu n'es pas obligé d'être forcément pro au début, mais le plus important pour toi, c'est de faire en sorte qu'avec le temps, tu puisses t'améliorer, mais
il faudrait que tu commences avec quelque chose qui te permet déjà de générer des revenus passifs. Et ensuite, le sixième business pour terminer, c'est celui de Shutterstock. Shutterstock, en fait, ici, c'est une plateforme qui permet ici de faire en sorte que les personnes qui aiment par exemple la photographie, je suppose que dans mon audience, forcément, il y a des personnes qui sont motivées par la photographie. La photographie et le graphique est un marché là où qui génère beaucoup de revenus en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là je vais plus m'adresser à des personnes qui sont en Afrique. Vous avez remarqué que souvent, quand les gens se baladent sur Google par exemple, il y a souvent des images qui défilent là où ce sont des personnes en fait qui ont pris des photos par rapport à un paysage et qui ont mis ça sur Google. Mais ces personnes-là, certains d'entre eux malheureusement ne connaissent pas que il y a des plateformes là où tu peux faire des photos et ouvrir un compte dans la plateforme comme celle de Shutterstock et là où tu peux commencer clairement à générer des revenus passifs. Je prends un exemple simple. Si tu es autour d'un endroit là où la vue est belle et que les gens apprécient toujours les vues là, tu peux commencer, ce que tu peux déjà commencer à faire, ce que tu peux commencer à prendre avec ton téléphone ou bien si tu as un appareil photo numérique, commencer à prendre des photos et pourquoi pas à commencer à les travailler et à les mettre dans ces plateformes en question en fait. Voilà comme ça six business que tu peux lancer en ligne et pourquoi pas en qualité de jeune qui ne te demande pas beaucoup d'efforts nécessaires pour commencer, mais ce sont des business que tu peux lancer dès maintenant avec le peu de moyens que tu as et dans lequel tu peux te faire une place dans l'industrie des revenus passifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses pour ne pas lancer le business. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses pour ne pas avoir quelque chose qui tombe chaque fin du mois afin que tu puisses, pourquoi pas, bâtir ton rêve ou encore, pourquoi pas, répondre à tes propres besoins en fait. Donc, au-delà de ces six business comme ça que j'ai pu te donner, la liste est tellement longue, mais on pourra revenir, pourquoi pas, si vous le voulez, faites-le-moi savoir en barre en commentaire afin que je puisse vous le donner encore davantage des business que vous pouvez créer dès maintenant et vous créer des revenus passifs. Et surtout, partagez cette vidéo, donnez-nous des likes et surtout abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions faire grandir cette communauté et que plus jamais l'Afrique puisse ressembler à un continent qui fasse pitié, mais que l'Afrique grandisse et que les Africains comprennent la nécessité de créer des richesses et d'aller plus loin. C'était Warren, le stratège du projet Guerrier Mental. On se dit à la prochaine.